Resident Evil. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 mode commando pour terminer l'opération 5. Donc le mode code rouge se passe quand même plus ou moins bien. On a eu des petites difficultés par-ci par-là, ça arrive. Hein. Pour l'opération 5, on a eu une grosse difficulté, c'était le niveau précédent. Je sais pas, j'ai faisais du caca, tout simplement. Je me chiais dessus. Mais là, on va essayer de quand même faire très attention. C'est vrai qu'après, ça peut être utile vu qu'on utilise nos cœurs de résurrection. Hein, c'est pas mal. Après, utiliser ces cœurs de résurrection, par exemple, pour du mode week-end de survie, par exemple, peut être utile. J'ai vu des personnes le faire. Donc, il y a de grandes chances que ça puisse être très utile, en fait. C'est la caisse de l'insecte. Je vais aller le buter. Parce qu'il va m'embêter. Bien sûr, rate tes balles, abruti. Ah là là, c'est pas possible. Je suis mauvais. Oh oui, je suis mauvais. Et hop, un petit 4000 dans les dents. Bon, je vais essayer de recharger mes armes. Pour être plus serein. Voilà, très bien. Vous allez éviter de me bouffer quand même. C'est pas cool. Et voilà. Une zone de fête. Une. Mais ce n'est point fini. Je regarde juste un petit peu. Du rouge, c'est parfait, mais c'est pas ce qu'il me faut. Ouais, mais c'était pour l'insecte. Parce que l'insecte, il est chiant. Voilà, pourquoi il est chiant. Parce que là, il nous en a mis un en feu. Il a pris une balle en l'air, lui. Bien fait pour toi. Ah ben, on est déjà à la dernière zone. Des fois, c'est pas forcément la dernière mission qui est la plus embêtante des opérations. Non, punaise. Il a failli me faire une grosse connerie, lui. Bon, toi, tu te calmes, par contre, parce que je sais très bien que tu vas vouloir t'énerver, tel un Super Saiyan. Mais non. Tu te calmes. Non, tu t'enflammes pas, toi. Aïe, aïe, aïe. Il s'est enflammé, ça y est. Il est pas content. Va-t'en. T'es casse-pied. Un chargeur pour tuer. Waouh. Ah ouais, non, mais t'es chiant. T'es très chiant. Hein, qu'on se l'accorde, tu es très chiant. Tu es de type très énervant. Ah, et en plus, si je suis bloqué dans un coin, là, je vais le sentir passer. Merci pour ta petite fuite. Bien sûr, je n'ai plus de balles. Est-ce que je n'ai pas rechargé avant? Et oui. Ah, c'est les deux derniers. C'est les deux canailles. Non mais je vais faire en sorte que l'autre... Voilà, arrive aussi en même temps. Et... Bim. Et c'est la mort qui l'a assassiné. Voilà, c'est parfait. Très rapide. On a pris cher, mais très rapide. C'était surtout l'Iron Head qui m'a bien foncé dessus, qui m'a bien fait comprendre que je n'étais pas du tout dans la mesure de les affronter en face. Il fallait que je les prenne sur les côtés.
Bon bah voilà, quelques éléments d'armes sympathiques. Le mieux étant le rouge, bien évidemment. Minimum niveau 10. Enfin, ils sont souvent de niveau 10 à partir de celui-ci. Donc c'est pas trop mal. J'apprécie. Alors voyons voir déjà ce qu'on peut acheter. Ah, là on en a le droit un peu plus. Un de plus. C'est déjà pas mal. Alors ici, bon, on n'a pas besoin de vendre d'armes. Vu que ce sont que des éléments d'armes. Donc c'est plutôt bien. Mais par contre, au plus on va vers vers la fin, et au mieux on a des. Enfin on a des éléments d'armes de meilleure qualité, je trouve. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On a complété du coup cette opération 5. On continuera bien entendu. J'espère qu'on ne galérera pas trop, je vais juste voir un petit peu. Alors on a combien de... Bon, éventuellement la 6-2 pourrait être la plus chiante. Ça pourrait être la plus chiante. Après, par contre en opération 7, il y en a deux. Donc, coup-ci, coup-ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2. Allez, salut à tous les amis!